Bonjour, salut à vous tous, ma petite famille, mes amis très chers. Merci d'être là, merci de partager ce temps avec moi. Aujourd'hui, on continue la série de vidéos pour les Ogam, l'alphabet Ogam. On va finir aujourd'hui le troisième acmé avec le cinquième arbre de cet acmé, que c'est le sureau. Le sureau, son symbole est celui-là. Voilà. Sa manière de prononcer, c'est RIS. RIS. Et représente la lettre R dans notre alphabet latin. Qu'est-ce que je veux dire? Cet arbre, il est vraiment magique. Et il représente les royaumes d'Evic. Elle connecte, cet arbre connecte avec l'esprit de la Dame Blanche, la grand-mère de la forêt. C'est vraiment magique. Il connecte avec la musique, les arts musicaux et la beauté des mélodieuses. C'est quelque chose qui est vraiment très subtil et très nourrissante pour les cœurs. Il est symbole de bonne fortune, la fortune qui se met dans notre chemin. Disons qu'il représente la capacité d'avancer dans notre vie et dans notre chemin. À travers de l'expérience qu'on raconte. On sait profiter et tirer des leçons de tout ce qu'on vit pour pouvoir avancer et ne pas bloquer et répéter encore et encore la même histoire. Okay? C'est cette capacité connectée avec ce courage, parce qu'il faut aussi une dose de courage pour faire cela. Avancer et ne pas se laisser attraper par le passé. Okay? Ne pas rester à vivre dans le passé. Ça indique donc la capacité de et se dépouiller des vieilles habitudes, et des vieilles schémas de pensée, des croyances. C'est vraiment laisser en arrière un ancien nous et nous réinventer pour pouvoir avancer et vivre un futur meilleur. Ok? C'est donc aussi symbole de transformation, fin des cycles, commencement d'un nouveau cycle. Tout ça va relier. Un des symbolismes aussi qui peut être lié et comme interprétation contraire et négative, c'est vraiment avoir des regrets dans le cœur et ne pas vouloir laisser en arrière le passé, donc manque de capacité de lâcher prise et donc revivre encore et encore dans le passé et répéter les mêmes histoires qui vont éveiller, toucher les mêmes blessures encore et encore. Ok? Voilà le symbolisme de cet arbre magnifique. Et je vous amène ici son image parce qu'il est vraiment magnifique. Bon, tous les arbres sont magnifiques, mais voilà. Qui ne voudrait pas avoir chez nous un arbre comme ça, non? Voilà cet arbre, le sureau, et il est vraiment une merveille. Voilà. Je voudrais bien avoir cet arbre aussi chez moi. D'accord, je vais vous montrer maintenant ces fleurs ici, qui sont aussi une pure merveille. Voilà. Vous avez ici les fleurs de sureau qui vont donner finalement des fruits, comme vous allez voir, incroyablement incroyables. Et d'ailleurs, les joues que vous pouvez avoir des baies de cet arbre, les baies de cet arbre, les fruits, ça donne ça, cette couleur rouge. Les rouges indiquent vitalité, santé. Donc, les joues des sureaux qui est extrait de cette baie, c'est incroyablement puissante, surtout pour les cœurs. Le cœur, le système sanguin, et ça revitalise, redynamise le système. C'est vraiment, si vous êtes un peu bas de tonalité physique, allez boire, allez chercher des jus, des sureaux, parce que c'est vraiment top pour cela. Et voilà, mes très chers, c'est la beauté de cet arbre, dans tous ses sens. Ok, on va finir comme d'habitude cette petite vidéo avec une petite lecture. Pour voir quels pourraient être ici les messages pour quelqu'un parmi vous. En espérant que ça aide, que ça confirme. Voilà. Oh, le frêne est là.
Les frênes indiquent la capacité de rassembler, faire cohésion avec tous les morceaux qui sont décohésion, et de manière que tout ce qui paraissait en décohésion et qui ne faisait pas de sens, maintenant on commence à relier les parties cassées et on voit l'ensemble. On commence à avoir plus de vision sur l'ensemble de notre vie et on a une meilleure capacité de mettre de l'ordre dans notre propre vie. Ok. Et il y a une certaine puissance, la capacité de mettre de l'ordre. Et ça connecte vraiment avec le dieu grec Zeus. Je pense que ça se dit comme ça. Et il y a une puissance vraiment reliée à l'éclair aussi. Une puissance, une capacité de rompre l'ordre et réinventer l'ordre parce que vous connectez les parties déconnectées. Et maintenant, il y a un sens meilleur et la danse, la nouvelle danse, et vous réécrivez la chorégraphie en fait. Voilà, c'est un peu ça. Oh, encore ça, le laurier de montagne, c'est vraiment la connexion à l'esprit, à la source infinie de créativité et la source divine. Donc, en quelque part, c'est quelque chose qui s'est fait à travers vous. C'est pour cela que, quand quelque chose, votre vous supérieur, vous prenne, et comme son outil et véhicule, vous vous trouvez dans des situations et en train de penser et en train d'expérimenter des choses qui ne font pas trop de sens et qui ne vont pas trop en cohérence avec la vraie vie. Et donc, ça semble une folie. Mais c'est pas fou du tout. C'est parce que il y a beaucoup plus entre le ciel et la terre que nous pouvons comprendre. Et puis ça existe. C'est une autre réalité qui existe, mais qui échappe à nos sens physiques et à notre propre logique. Mais il y a quelque chose qui est en train de se faire à travers vous. Donc ne faites pas trop attention si ça ne fait pas de sens. Ok, ce que vous vivez. La dernière carte ici, c'est le sorbier. Les sorbiers, c'est vraiment la protection, les renouvellements, un nouvel engagement. Vous savez augmenter les niveaux, vous savez sauter un niveau supérieur des maîtrises de soi. Et c'est un parcours protégé. Il y a une garantie dans l'air. Quelque chose est garanti ici, mais ce n'est pas encore manifesté. Mais je le ressens exactement comme ça. Et quelque chose est garanti et promis. Mais vous êtes presque à la limite de ne pas pouvoir soutenir ces pactes. Et puis, c'est comme un rappel de c'est promis. C'est un engagement, vous êtes jusque presque à la fin, mais vous n'avez pas choqué contre le mur. Vous allez réussir. Il y a quelque chose ici qui est promis, ne peut pas s'échapper de la manifestation, ok? Mais c'est dans la difficulté, dans le paradoxe. Et où nous devons laisser sortir et briller les valeurs les plus élevées et les challenges de plus en plus difficiles. Ok? Donc, tenez là et faites confiance. Je sais que je dis toujours la même chose, mais c'est tout à fait ça parce que c'est les plus difficiles, les plus simples et parfois les plus difficiles. Ok? Donc, continuez dans votre dynamique de vie, votre principe valeur. Et la foi, la confiance, et aller de l'avant. Voilà. Et le plus précieux, c'est l'expérience que nous vivons chaque jour. Et c'est tout ce qui compte. OK? Donc, merci d'être là. Gardez soin de vous. Prenez soin de vous. Soyez heureux. Et je vous dis à très bientôt.